premier jour à Cannes. Il est 7h du matin. Je vais voir le film de Bellocchio à 8h45. Je dois être là une demi-heure avant pour être sûre de rentrer. Je suis même pas sûre de rentrer. Énormément de vent. On entend ? Est-ce qu'on entend ? Est-ce que là, il y a trop de... Voici à quoi ressemble une prise de notes dans le noir. Fait de beaux rêves. C'est un film qui tente de répondre à la question « Où est ma maman ?» Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, étant petit, parmi une foule de grandes personnes, d'attraper la cuisse de celui ou celle que vous croyez être votre parent et vous tromper et être honteux? Comment parler d'un film? Je n'ai vu aucune star, mais j'ai été reconnue plusieurs fois, malgré mes lunettes et mon chapeau. C'est l'histoire d'un petit garçon, Massimo, qui perd sa maman d'un infarctus foudroyant, lui dit-on. On apprendra plus tard la vérité. Où est ma maman? Avoir fait la queue, pouvoir entrer dans la salle, ne rien savoir du film, fantasmer un maximum. Et finalement, au moment du générique, se dire « Ah, c'était que ça ». J'ai aimé voir les replis du cou d'Emmanuel Devos étendu sur le canapé en mama italienne plantureuse. C'est un film assez classique, bien qu'à deux ou trois moments, la salle ait vraiment ri d'un rire gras. Vous avez eu une enfance légèrement traumatisante? Vous avez eu un papa taiseux? Eh bien, vous deviendrez fan de foot. Est-ce qu'il faut de dures réalités pour faire des films à Cannes? Contrôle des sacs, mademoiselle. Vous devez laisser votre bouteille d'eau ici. Suis-je digne du cinéma? Je n'ai pas été soulevée par mon papa dans un stade. Oh mince! Putain. Palmier, croisette, mer, mer, croisette, palmier, mer. Tapis rouge.